chaque jour ou presque dans la rue. Cette fois, ce sont les partisans du président déchu qui régulièrement manifestent. Ceux notamment des bidonvilles, comme ici à Cité Soleil. La police haïtienne ne pénètre pas à Cité Soleil. Les troupes de l'ONU, elles, se contentent de quelques incursions en convoi blindé. Après le départ d'Aristide, la police est entrée dans Cité Soleil pour tuer les gens. Mais nous l'avons chassée. La police ne reviendra pas ici tant que le président Aristide ne sera pas de retour. Les policiers sont venus ici, accompagnés de la MINUSTA, pour nous faire du mal, pour détruire nos maisons. Nous ne voulons pas de cela. Cité Soleil et ses 300 000 habitants restent une zone de non-droit très dangereuse, tenue par des bandes armées qui se proclament des OP, des organisations populaires du parti Lavalas, le parti de l'ex-président Aristide, ceux que l'on surnomme aussi les chimères. Cet homme en t-shirt rouge s'appelle Diad Wilmé. C'est un des grands chefs de bande recherché par la police et la MINUSTA. Ce jour-là, il défile pourtant au milieu des chars de l'ONU. Nous avons mis 1 million de personnes dans la rue à Cité Soleil pour demander le retour physique du président Aristide et le départ de la tortue. Nous demandons le départ immédiat du gouvernement, ce gouvernement qui tue les gens, les étudiants, les journalistes, le peuple. Nous, les gens de Cité Soleil, de Bel Air, de la Saline, tout à l'heure nous allons prendre la ville. Nous allons tous nous unir, nous mobiliser pour obtenir le retour physique du président Aristide. Le chef de bande disparaît dans la foule. Très vite, les esprits s'échauffent. Des armes apparaissent ça et là. Nous sommes obligés de quitter précipitamment Cité Soleil. Au loin, des coups de feu se font entendre. Des affrontements opposent la bande de Diad Wilmé à une autre bande de la cité. Ils feront un mort et plusieurs blessés. Les casques bleus de l'ONU, comme les policiers haïtiens, restent prudemment à l'écart et ne feront rien pour arrêter Diad Wilmé. Pourtant à leur portée.